Bonjour, je suis Nobu Marina Martial, directrice générale de l'entreprise OL International. OL International est une entreprise spécialisée dans le bâtiment écologique, le bâtiment vert. Ensuite, je suis présidente de toutes les entreprises vertes des Côtes d'Ivoire, le Green Cluster, et je suis la vice-présidente de la FIACE, qui est la Fédération des entreprises en énergie et en climat. Ce que je voudrais dire ici, c'est une joie d'être présente parce que nous avons longtemps voulu mettre sur la place nos besoins. Le besoin, c'est de faire mieux connaître toutes les entreprises vertes parce que nous souffrons du fait de ne pas être assez entendus. Notre mission, c'est de permettre à tout citoyen de lutter contre le réchauffement climatique. Et nous avons remarqué que de plus en plus, à travers les différentes COP, il y a des résolutions qui sont prises. Mais il faut bien des acteurs pour mettre en pratique justement toutes ces résolutions que nous prenons dans les différentes COP. J'étais à la COP 22, où j'ai eu même le prix de la maison écologique à Marrakech. Et là, nous avons pris la résolution, n'est-ce pas, de lutter justement contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je suis bien heureuse que la COP se déroule ici en Côte d'Ivoire. Et je suis présente avec toutes les entreprises vertes et nous voulons faire entendre notre voix. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de permettre la vulgarisation de tout ce qui est énergie verte, tout ce qui est efficacité énergétique, tout ce qui est efficacité énergétique. Et donc, nous voulons appeler tous les acteurs, tant sur le plan privé que sur le plan public, de pouvoir nous aider justement à nous fédérer et à nous faire mieux entendre. Ça va passer aussi par le financement, parce que là, on vient de parler de financement avec CEPICI. Et nous avons effectivement besoin de financement afin de pouvoir mieux nous faire connaître, afin d'acheter le matériel moins cher et mettre à la disposition de nos populations. Et moi qui suis dans le bâtiment écologique, il est important pour moi d'avoir le foncier afin de pouvoir développer aussi des logements. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit en logement de 5 000 logements. Et donc, pour nous, il est important aujourd'hui d'avoir des financements verts pour nous permettre d'avoir des logements écologiques, économiques et durables pour notre population. Donc, c'est un appel aussi que je lance aux opérateurs économiques, aux bailleurs de fonds et à tous ceux qui détiennent justement les financements verts afin de vous tourner aussi vers les entreprises vertes, les entreprises privées. Parce que c'est avec des entreprises privées aussi qu'on peut développer justement tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes disposés justement à être approchés par vous et puis à mettre aussi en place ce que nous savons faire. Et puis ensemble, on peut aller loin, je pense. Je pense qu'ensemble, on peut aller loin. Contactez, vous pouvez nous appeler au 07 49 23 86 40. Donc, je peux répéter 07 23 86 40. Et le site internet, c'est www.olinternational.net. Merci. Alors, nous sommes situés à Abidjan, Vera Bonoumé.